C'est de cette photo d'un doux sépia passé que part ce film. On y voit ma famille Stuart et Parsi, sur les hauteurs de Castiffard, notre village en Corse. Il y a mon grand-oncle, Théophile Stuart et son fameux canotier, ma grande-tante Eugénie, leurs deux fils aux boucles blondes, Jacques et Henri, cousin Germain de mon père, à leur côté en costume de petit marin. Je suis toujours restée rêveuse devant cette photo. Et remonte, soudain à ma mémoire, les histoires que me racontait mon père, et dont nous étions tant friands, nous, issus de la diaspora. Celle, la plus fascinante, de cette aventureuse journaliste anglaise, Edith Southwell, qui arriva en 1930 dans notre village de Castiffard, intriguée par la présence de ce nom Stuart dans ce lieu isolé. A familia Stuart, agunishide? Yeah. Indo is all? Elle venait écrire un article sur la région et sur cette branche inconnue des Stuarts d'Écosse. Elle les rencontre alors et décrit des gens de type physique nordique qui affirment être descendants des rois d'Écosse et d'Angleterre. Ils lui ont donné pour preuve leur coutume familiale de donner aux fils et aux filles de la famille les prénoms de Jacques et Marie. Elle nota sa surprise de constater que ses descendants Stuart vivaient dans une certaine pauvreté et sans aucune preuve de leur origine royale. Et mon père, de nous répéter toujours la même phrase en guise de conclusion, ils étaient blonds, bergers et descendaient de familles royales. Et l'histoire en restait là. Nous avions des rois au village, des bergers rois. Je me suis toujours demandé au cours de ces années si quelques descendants avaient eu l'idée de chercher à résoudre le mystère de ses origines anglo-saxonnes. J'ai eu alors envie de commencer ce film. Un film qui recherche. Un film avec ses impasses et ses découvertes. Ce film, comme un chemin à l'envers, une quête au siècle des Lumières. Pourquoi Emmanuel Stuart, l'ancêtre des Stuarts de Corse, arrive-t-il à Castiffard, ce village de l'intérieur de l'île, en 1774 ? Pourquoi s'y installe-t-il ? D'où venait-il ? Quel a été son périple jusqu'ici ? S. D. M. Mm-hmm.